Au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, les violences sont-ils accordées? Est-ce la paix règne au sein de ces partis présidentiels ou la crise continue? On en parle dans cette émission au-delà de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission qu'on a l'immense et le réel plaisir de recevoir pour vous ce soir le cadre de base de cette formation en politique pour scruter des fonds à comble ces différents points saillants au sein de ces partis présidentiels. Il s'agit là de Maître Aaron Michel Oki Tengadi, lui il est cadre donc de cette formation politique UDPS. Tu sais qui est lequel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Maxime, de nous avoir reçus dans votre mission qui est tellement suivie. Et puis, à ses côtés, il y a Polydor Wasamba. Lui, il est président du quartier Kana, Mombele Limité, de cette même formation politique, UDPS Tshisekedi. Monsieur Polydor, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur les journalistes. Je suis président solidaire de la cellule Kana, Mombele, section de Limité, Fédération des Mouamba. Président cellulaire. Président cellulaire de la cellule Kana à Mombele, quartier oui. Mombele. Dans la commune de Limété. Oui, oui. Section Limété, Fédération des Mouamba. Voilà, mesdames, messieurs, comme je voulais annoncer tantôt, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette formation politique? Vous aurez des éléments détaillés de tout ce qui se passe à l'UDPS avec le cadre, bien évidemment, de base de l'UDPS que nous recevons pour vous ce soir. Nous ouvrons le bal avec monsieur Aaron Michel. Où en sommes-nous concrètement de la situation au sein de l'UDPS? Ok, mais c'est le journaliste, je crois que dans chaque famille, il peut y avoir des différends qui peuvent faire sortir des petites querelles. Mais en soi, à l'UDPS, il n'y a pas tellement de crise. Sauf qu'il y a un groupe de gens qui... Vous risquez d'être seul à déclarer cela. À l'UDPS, il n'y a pas de crise. Non, mais je suis en train de les parler parce qu'en fait, l'UDPS, c'est un parti politique qui incarne les valeurs. Et je suis en train de parler en guise de conséquence. Il y a un groupe de gens qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe à l'UDPS. En fait, à l'UDPS, Tshisekedi, le secrétaire général, reste au bel pied au Guissé Kabuya. Oui, Oguissé Kabuya, c'est lui le secrétaire général. Nous avons été au courant de certaines personnes qui sont parties à la Sainte-Anne et qui ont fait une réunion au nom de la CDP, la Convention démocratique du parti, pour essayer un peu de ressortir certaines résolutions, de dire la destitution, de proclamer la destitution du secrétaire général Augustin Kabuya. Alors que, sans le savoir, que nous avons en politique et sur le plan de droit, nous avons le parallélisme de forme et de compétences. Et en droit administratif également, il faudrait savoir que les compétences sont d'attribution. Voyez-vous, Augustin Kabuya a été investi par le Congrès. Et c'est le Congrès qui a investi Augustin Kabuya. S'il faudrait qu'il soit destitué, c'est au travers également du Congrès qu'Augustin Kabuya peut être destitué selon les prescrits des non-statuts. Oui. Voyez-vous? Donc, en fait, en train de parler, la CDP n'a pas ses prérogatives de démettre le secrétaire général? Non, il n'a pas ses prérogatives ni cette compétence-là. En fait, il faudrait également savoir. Parce qu'en fait, moi, je vis une image où il y avait également la présence du professeur Mbata, qui est un intellectuel de ce coin, dans ce pays, et qui se mêle dans ces genres de désordres comme ça, là, pour suivre l'image de ce parti ici, un grand parti dans notre pays, le parti au pouvoir. Donc, en fait, il a lu minutieusement. Soit ils ont fait exprès, et soit ils ont fait ça, je ne sais pas de quel esprit qui les a animés. Parce qu'en fait, il y a les missions, il y a les attributions qui ont été données à la CDP. La CDP peut émettre un avis, mais la CDP n'a pas le pouvoir de démettre. Alors si la CDP
si c'est la même CDP qui, à travers la session organisée, parce que vous avez de sessions organisées au cours de laquelle Augustin Kabuya a été investi comme secrétaire général, est-ce que ce n'est pas le même organe qui a aussi ses prérogatives ou le pouvoir de mettre la même personne? Non, la seule organe, le seul organe, le seul organe suprême du parti, c'est le Congrès, qui peut être convoqué au moyen, sur le plan ordinaire comme sur le plan extraordinaire. Il n'y a pas eu Congrès pour démettre de ses fonctions Jean-Marc Kabound. Là, il faudra les signaler. Non, mais attendez, Jean-Marc Kabound a été limogé, chassé du parti. Il n'y a pas eu de Congrès pour ce limogeage. C'est une décision jusqu'à aujourd'hui qui est provisoire. Lorsque le Congrès sera organisé, il y aura également, la question sera traitée et on lui donnera, on les unifiera une décision définitive dans le parti. Monsieur Polidore, vous êtes président cellulaire, sage également de cette formation en politique. Une question qui divise les différents organes de votre parti, UDPS, Augustin Kabuya, secrétaire général et président ad intérim, démis de ses fonctions en faveur de monsieur Bizimo, qui, il faudra le dire, était le secrétaire général adjoint. Aujourd'hui, à travers cette session organisée à la Sainte-Anne, il a été élevé comme secrétaire général ad intérim de cette formation politique. Comment expliquer cette sorte de cacophonie qu'il y a au sein de l'UDPS? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes venus pour éclairer, parce que c'est nous qui sommes la base politique de l'UDPS. C'est nous qui avons ce pouvoir d'éclairer. Parce que s'il faut entrer, par exemple, à l'UDPS, vous devez commencer par la cellule. Oui. C'est nous qui avons... Cellule de base. C'est nous qui avons la mission de recruter. Si, par exemple, quelqu'un qui était, par exemple, dans une autre formation politique, il veut changer et entrer à l'UDPS, il ne doit pas commencer par les sommets. Même s'il est ami, mais il doit passer par nous les... La base. Par la base, nous, les cellulaires, nous, les présidents cellulaires, qui avons le pouvoir statutaire de recruter. De recenser et d'informer et de former le membre de l'UDPS sur base de notre idéologie et doctrine du parti. Voilà. Donc la session qui a été organisée, donc, c'était en porte-à-faux de votre statut. Je veux vous relever et ce qui a eu. L'UDPS est organisée et structurée. L'UDPS a des organes centraux et des organes de base. Les organes centraux, ce sont le Congrès, qui est un organe suprême, comme le maître vient de le dire. Nous avons la présidence et nous avons la convention démocratique du parti, la CDP. Il faut en savoir, jusqu'à aujourd'hui, nous avons une seule décision portant nomination du président et de son bureau CDP. C'était la décision 025. Ça a été signé au moment où le président national du parti, son excellence chef de l'État aujourd'hui, Fachi, c'est celui qui avait signé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une autre décision. Nommer le président de la CDP. Parce que vous avez posé la question de savoir si... C'est qui le président de la CDP qui a été nommé par... C'était M. Wakwenda, qui a été nommé. A-t-il pris part aussi à la session? Non, il n'a pas pris part. Il n'a pas pris part. Parce que c'est lui, c'est la CDP qui a un pouvoir, le président de la CDP qui a le pouvoir de convoquer la session ordinaire et extraordinaire des activités de la CDP. Et donc ça a été organisé en violation du texte régissant le parti. C'est ça, monsieur le journaliste. Donc ça a été organisé en violation de nos statuts. Par exemple, celui qui a convoqué, si vous lisez les communiqués convoquant cette manifestation-là, c'est un rapporteur de la CDP qui a quitté le bureau et qui est allé. Et en même temps, il a quitté de l'autre côté, il est revenu. Vous comprenez? Donc ça a été en violation flagrante de nos statuts. Ça c'est un. De deux, la CDP, quel que soit,
il n'a pas le pouvoir de démettre le secrétaire général. Parce que le secrétaire général, quand je viens d'énumérer les organes du parti, les organes centraux, parce que nous avons les organes centraux et nous avons les organes de base de la fédération, la section et la cellule. Maintenant, c'est le président national qui est deuxième organe du parti après le congrès qui nomme et qui déchoit le secrétaire général. Oui. Tout ce que vous pouvez faire en tant que membre de la CDP, ce sont des propositions. Mais au moment où lui-même est président ad intérim du parti, quel mécanisme pourra faire de sorte que Augustin Kabouya soit démis de ses fonctions? Ok, très bien, monsieur le journaliste. C'est pourquoi nous sommes venus pour éclairer et recadrer ceux qui ont eu le privilège de dire que nous avons démis monsieur Augustin Kabouya comme secrétaire. Ils n'ont pas ce pouvoir-là parce que ce n'est pas la CDP qui nomme le secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le président national du parti. Et c'est le président national du parti qui a le pouvoir de démettre le secrétaire général. Pour ce moment, comme notre président national est frappé par l'incompatibilité, il a donné son pouvoir, au secrétaire général qui assume l'intérim. Oui. C'est-à-dire, il est informé au quotidien par le secrétaire général. Oui. Il est informé. Et toutes les propositions, tout ce qu'il peut faire, et à la fin, il informe l'autorité de référence politique. L'autorité politique de référence. Tu sais qu'il dit. Ok. Voilà comment. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? Ce qui est important, que nous voulons souligner pour que nous combattants non soya eu de fesses à Yéba. Amagnola, Zanini. Pour que tout le monde la confusion. Talana Batunetti, les hauts cadres du parti, comme le professeur Mbata, et autres. Il a utilisé le mot trop dur là pour qualifier l'actuel secrétaire général. De piètre. Qui n'a pas un esprit ouvert. Non. Là, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes venus en tant que base pour éclairer. Et donc, dans la famille Nyonso, dans chaque famille, conflit est en grade. Les conflits sont au Salama, c'est pour que papa Libanda aille intervenir. Oui. Mais Bissot a la décision de Yakolongo, le grand frère n'a pas que non. Parce que le grand frère Nabisso Azanani, c'est le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, qui a la signature, qui a la confiance du chef. Donc, Bangou, Basala Moussala na Bangouana, à Sainte-Anne, Basali Angoti et Sili, Bakamatan Babou. Donc, les décisions à sortir de la Sainte-Anne. Ils ont violé les statuts, ils ont touché même la discrétion du chef de l'État, les pouvoirs du président national. Il y avait aussi des figures de proie, de l'IFS, lors de ces assises. C'est pourquoi nous sommes venus éclairer la base. Oui. Ils ont mis une confusion dans les têtes des combattants qui ont lutté plus de 37 ans d'élite. Et aujourd'hui, nous attendons pour que nous puissions cueillir. Merci beaucoup, monsieur Polidor. Un parti démocrate, un parti de tas de droits, mais c'est que nous vivons aujourd'hui à l'IDPS, c'est tout autre que la démocratie, non plus l'état des droits. Maître Aaron Michel, Augustin Kabouya, parce que c'est de lui qu'il s'agit aussi. Le nom de problème, c'est les secrétaires généraux qui divisent. Aujourd'hui, on remarque une sorte de décamp au sein de l'UDPS, le pro et le contre Augustin Kabouya. Aujourd'hui, que Augustin Kabouya, son poste de secrétaire général ne fait pas unanimité au sein du parti. Quelle est la ligne à suivre aujourd'hui pour remettre toutes les choses en ordre? Monsieur le journaliste, je vais vous dire par ici que à l'IDPS, il y a l'état des droits. À l'IDPS, il y a la démocratie. À l'IDPS, il y a la légalité. C'est tout simplement un groupe de personnes qui ne veulent pas se remettre en ordre. Accusant le secrétaire général, Augustin Kabouya. Croyez que lorsque vous avez besoin
que le secrétaire général du parti aujourd'hui, Wokissé Kabuya, quitte le pouvoir, quitte son poste. Ce n'est pas de la manière. Il y a une formule. Vous allez adresser vos suggestions, vos mécontentements au papa, qui est l'autorité politique de référence. Voyez-vous ? Et ils en savent. Et ils savent également, parce que ce sont des intellectuels de surcroît. On parle de la gestion pose problème. Non, attendez, attendez. Je reviendrai au détriment des autres. Je reviendrai pour la gestion. Augustin Kabouya n'a aucun camp. Il n'a aucun camp à l'IDPS. Tous les enfants, tous les membres, tous les combattants de l'IDPS, les cadres, les membres, sont à la gestion d'une seule personne, d'un seul yaya. C'est Augustin Kabouya qui est notre yaya, le secrétaire général. Voyez-vous ? Il n'a jamais prôné de camp, Augustin Kabouya. Mais nous avons écouté quand même des propos malsains qui ont été sortis de la bouche de l'honorable du professeur Mbata. Par exemple, à l'endroit d'Augustin Kabouya. Et que jusqu'à aujourd'hui, Augustin Kabouya n'a jamais, le secrétaire général, le CGE, n'a jamais répliqué à tout ce qu'il avait dit. Voilà l'éducation de notre secrétaire général. Voyez-vous ? Mais si aujourd'hui nous disons de commencer à répliquer, on va dire que c'est le cas d'Augustin Kabouya. Parce qu'en fait, Bissopet aux abattus. Voilà, Bissopet au même corps. Il y a le même parti. Le même parti. Oui, oui. On peut répliquer par des propos malsains. Donc on répliqua mon André Moussou et quoi, comment que non, Augustin Kabouya salit camp. Augustin Kabouya n'a jamais, le secrétaire général n'a jamais formé un camp. Parce que lui, c'est le papa. Il est le rassembleur. Croyez aujourd'hui, si vous apportez quand même vos mécontentements au président, le président de référence du parti, si vous apportez vos mécontentements, il va également examiner vos accusations là. C'est parce que aujourd'hui, certaines personnes ne sont pas retrouvées dans le poste de décision. Ils se rétractent. Tout le monde va se retrouver. Pour se retroquer vers le secrétaire général. En oubliant que le secrétaire général, étant un rassembleur, il savait que la course que nous avons menée pour reconduire le président de la République à ce poste de président, voyez-vous, à la réélection, ça n'a pas été seulement qu'un UDPS. Il y a eu concours des autres partis. Alors que chacun également devrait se retrouver, et malgré ça. Mais attendez, tout le monde ne va pas se retrouver au même moment pour être député. Le place sont 500. Si Mbata, le professeur Mbata, ne s'est pas retrouvé député national, le problème d'Augustin Kabouya, c'est où? S'il ne s'est pas retrouvé quelque part, le problème d'Augustin Kabouya, c'est où? Il en a été. S'il faut qu'on conserve les autres. Pendant qu'il a été là-bas, Augustin Kabouya n'était pas mauvais. Pendant qu'il était là-bas à l'Assemblée nationale, premier vice-président. Là-bas, Augustin Kabouya n'était pas mauvais. C'est aujourd'hui que le secrétaire général devient mauvais et commence à parler même, sortir même de sa propre bouche, des propos à insulter, à parler en plein le secrétaire général. Individu, est-ce que ça c'est normal? Et la qualité d'individu, de piètre secrétaire général que le parti a connu. Mais aujourd'hui, lorsqu'il est en train de parler de la manière, vous savez, le mérite qu'Augustin Kabouya a donné au parti, la réélection du président de la République avec le pourcentage. Il a donné la majorité aujourd'hui, la majorité parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée. Il a beaucoup travaillé. Il a travaillé. Il a des victoires, il a des succès. Il a des succès. Au sein du parti. Il ne faut pas seulement voir les côtés où tu n'as pas été servi. Vois également le mérite de la personne, Augustin Kabouya. Vois également ce qu'il aurait travaillé. Il a travaillé sous pression. Il a soutenu le président de la République, la nuit comme les jours. Il était là et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes qu'au débit. Que tout le monde ait un esprit apaisé. Que tout le monde se ressaisisse. S'il y a à parler, nous allons nous parler. Le seul organe suprême du parti, c'est le congrès. Le congrès investi. C'est le congrès qui destitue. C'est le congrès. Mais lorsque le secrétaire général ne fait plus unanimité au parti, ce malaise-là, comment régler ces différends? Mais les organes sont là. Il y a les missions qui sont confiées à ces organes-là. Nous allons pouvoir voir quel est l'organe qui est habilité à régler les conflits, à présenter à l'autorité politique des références du parti. Lorsque les organes s'invitent au conflit des uns et des autres, non, de nature. Non. Nous sommes un parti légaliste, un parti de droit. Voyez-vous, d'état de droit. C'est-à-dire que s'il faudrait par exemple réclamer, mais choisissez la voie légale.
entrer dans la voie légale. Et lorsque le résultat sortira, les résolutions sortiront, ces résolutions-là auront quand même le poids d'être exécutées. Mais vous êtes en train de faire des théâtres là-bas au Sénégal. Ni le président de la CDP n'a été présent, ni le président de la CDP n'a convoqué la réunion. Et voyez-vous que vous êtes parti là-bas. Et que vous avez avec vous les statuts. Les statuts de l'IDPS. Non, on peut dire que la CDP qui a organisé cette session a été prise en otage. Nous ne savons pas la personne qui en a pris, qui avait financé également les réunions là-bas, les activités. Non, nous on n'est pas là-bas. Donc c'est pour dire que nous appelons au calme à tout combattant, tout le combattant de l'IDPS. L'IDPS est stable. L'IDPS n'a aucun problème. Pour le moment, il n'est pas stable. Non, l'IDPS est stable pour le moment. Pour le moment, il n'est pas stable. Non, c'est stable. Nous n'avons aucun problème. S'il y a des gens qui ont des certaines réclamations, qu'ils viennent. On va les écouter. S'il faut donc qu'on sert, on va servir. Mais tout en attendant, il faut attendre. Comment mettre ensemble ces deux groupes de pro-Kabuya et les anti-Kabuya? Il y a eu des démarches qui ont été entreprises par le groupe de députés et sénateurs pour dégager justement un consensus pour que la paix revienne au sein de l'UDPS. Où en sommes-nous avec toutes les démarches amenées? Parce qu'on s'est rendu compte que cette crise commence à s'éterniser, à devenir éternelle au sein de ces partis. Oui, monsieur les journalistes, na sepeli na mutuna na yo, il faut na to fongola ngo penza pour que ba combattants na biso ba yo kango baza na kimia. Et le zone ba par exemple que nos fonctionnement que parti ezo ma parti bango ba zone bango. Non. Les partis fonctionnent chaque dimanche, toza na réunion à Céline. Et Zokota, chaque cellule les Zokota. Section, chaque samedi, Zo Salama, réunion. Chaque vendredi, tout ça, la réunion et la fédération. Matinée et Utiko Salama, lundi, Awa, avec le secrétaire général. Batoazala et Mombondo. Donc c'est pour vous dire que non, les partis. C'est impossible. Bango bazana pouvoir ya ko déchoir secrétaire général au Christian Kabuya te. Ou yaza habilité, ou yaza na pouvoir wan, ou yaza investi de ce pouvoir là par le Congrès sur le président national du parti. Parce que yende anomaka, le secrétaire général, yende alumbulaka, secrétaire général. Pour vous dire, pour compléter l'honorable secrétaire général Azosa Moussala Malamouté. Les Bango Bazaki en fonction. Par exemple, Ndobonabisoyo, ministre de la Santé, était le secrétaire général Adjoy à UDPS. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a un qui contacte na base à UDPS? Aucun jour, où il y a quelqu'un qui vend les Azaki na santé. Et tel même. Oui, qui vend na base à Céline, qui a déshydraté Nabisso. Est-ce qu'il y a engagé Nani? Il y a ma présence cellulaire et autres. Tout ça qui n'a pas eu professeur Mbata. N'a limité, il vend, n'a limité. Il n'y a toujours ta permanence, toujours les gens qui ne nous a pas reçu. À servir Nani. À servir Nani. Parce que pour aujourd'hui, nous allons vous donner, illustrer ça par situation Nani, secrétaire général à ça. Où il y a pour la question que non, à ça, il y a maître à Outikoloba. À nommer, à faire favoriser, promouvoir un cellulaire à Otozoloba Awa, Azali DGA dans Transco. Tozana va conseiller, va administrateur, na Bakadeza, na Régie des Eaux, va cellulaire, va Patrick Mbouyi, va Moïse, va Zakuna. Donc, va cellulaire, donc pour citer que, va Wan. Mais va Toza est belé, mais Bangolier va Zaraki, va Salaki le Komokote. Et l'autre côté, Bango Bazana place na Bango. Balongoli Moutouata à mon côté na IDPS. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Il a pour faire partir. C'est le secrétaire général. Parce que c'est lui qui a été investi. Pour vous dire, l'air Bakendake na accord il y a
Landayale. Landayale. Bangonyo so bazalaki. Bangonyo so ba professeur man. Ils ont investi Bokissé Nkabouya comme la seule personne qui engage le parti au tiers. Yende azati le los. Il faut organiser encore un forum comme ça. Oui. Hein? Le même forum. Il faut pas toujours. C'est par le moyen de l'investiture. Oui. Le moyen qui a investi, c'est ce moyen-là qui va décider. Il faut passer à la loi. Avec la main, il y a autorité. Oui. Et politique avec la bénédiction de l'autorité de référence. Oui. Ah ouais, les loyaux. Bango Bazolo Bakeno et Balongoli et Augustin Kabouya. Pendant que nous déposons une candidature. Nous devons nous la bisine. Nous devons nous la bisine. Nous devons faire état général. Monsieur le journaliste, comment il illégalement. Comment on joue ça? Comment on tourne là? Nous sommes tous les deux. Donc, tout le bagapamba de tout ça, Saint-Esprit, c'est papa et mais la démarche de ce vol doit porter des réglages. Donc, il y a toujours ce. Bisous, tu es habité. Tu es habité. Et là, on va. Moi, j'habite dans 5 salines, le problème. Non, mais la vie, il y a un problème. Quand je vois bien l'Ima, les forces du progrès. Oh, qu'il y a l'Ima. Et toi, il y a un homme, tout le monde en bat. C'est quoi le problème, Magis? Ok, monsieur le journaliste. Et là, tu es le bagapamba et Zalinine. Bato, nous sommes Wana. Oui. Bazali n'a pas fonctionné à Bangona Kati, il y a exécutif, il y a parti. Comme oui. Eteni, il est parmi les secrétaires général adjoint. Balongole est en parti. Aza est en parti. Aux hommes. Nandenga Longwe na santé. A quel moment ma camionnette y a parlé la prison. À quelle prison? À la prison y a Covid, y a Moko. A peu ce bisoté. A peu ce bisoté. Donc le bisoté permanent c'était. Y a c'est le. Consomme la tentative. Même Kiti Pambo y a coupé sa basilaire. Alimbo on a eu à Covid ouana, il est moko. Vous comprenez, il est moko. Ah, oui. Tout le monde a été. C'est pour vous dire que nous, Batunyo soit na bazaka Batuya, il y a eu de pèse. Bazongue la I de pèse. Hein? Baya na permanence, porte ça ouverte. Bafanda, na exécutif na bango, babeta ma solo, babongisa, pour que puisse au base tout s'en sortir. Est-ce que maître Aaron Michel, est-ce que aujourd'hui la voie ou la situation qui traverse aujourd'hui l'IDPS est cernée par l'autorité des références ou il faille l'implication aujourd'hui de l'autorité des références du parti pour ramener tout le monde à la maison pour que vous puissiez parler un même langage? Je veux vous parler une chose très importante aujourd'hui. L'autorité politique de référence de l'UDPS, du parti de l'UDPS, c'est un intellectuel. Toutes les voix comme ça là, hein, le voilà, il ne va pas suivre ça. Parce qu'en fait, il sait, il maîtrise mieux le moyen d'investiture que le moyen de déchéance. Et il maîtrise mieux les statuts du parti. Donc, aujourd'hui, les combattants de l'IDPS ne peuvent plus se faire laisser faire par quelqu'un d'autre. Instrumentalisé. Mon côté à Koki Koya les sous-lélo, Abandi Kosoba combattant IDPS et Toke Kobukabo et Togo Salamoué. Non. Et puis, certaines personnes que vous voyez qui se disent combattants de l'IDPS, mal à combattant IDPS. C'est ce qu'on a du progrès. Non. Il y a de certaines personnes, par exemple, Bakosi qui va avoir force du progrès. Parce que force du progrès a une idéologie à partir. L'idéologie n'a pas à partir, ils ont la non-violence. Bisso IDPS, tu as toujours la non-violence. Regarde, une chose. Bakéi, qu'on vandalise Ndakouya, cadre d'Abisso Mokomola Kissi. Genre, Nakouna Nangalema. Et c'est qui va te IDPS. Bah utiliser ma bandit ma côté là hier parce que ma combattant n'a pas besoin de peste mais ça va être non violence ma force du progrès n'a pas besoin d'être non violence donc les lots cadre mon côté y a parti à IDPS à quoi qu'il y a pour utiliser bana y a IDPS pour ma cause là des autres parce à la base parce que personne parce qu'en fait bisous aux alliés na lutte n'a besoin y a non violence et puis les lots ceux de l'obi qui sont obligés de répondre ma professeur Mbata le lingue basa ko traité le secrétaire général Augustin Kabouya et comme à côté à sa l'idée parce que nous on est prêts
Donc, émission Moussou Nankoya Awa, ce qui est Yoki Lissous, na Kombo Vise Kabouya, émission Moussou Nankoya Awa, prête à Beta Biloko, dans Beta Biloko, dans l'occupé le souhaité. Moi, je suis enseignant à l'université, lui également, c'est professeur à l'université. Mais le gars, la manie, m'a mis finga. On m'a dit, les autres, ils sont finis moutouté. Est-ce que tu finis moutouté? Tu finis moutouté. Mais émission Moussou Tolaki, nous avons eu des ordres à l'IDPS, il y a un Simbaka secrétaire général au Gisè Kabouya. Donc, nous avons eu un peu de temps à l'IDPS. Ah, vous avez eu un peu de temps à l'IDPS. Vous avez eu un peu de temps à l'IDPS. Vous avez eu un peu de temps à l'IDPS. Vous avez eu un peu de temps à l'IDPS. Vous avez le chef de l'État ne lâche pas le parti actuellement. C'est un président de la République. Donc il ne peut pas entrer dans cette histoire-là. Mais attendez. Mais vous appelez même par téléphone. Mais non. Pour vous dire que notre armée, c'est ce que vous voulez faire. Ce sont des majeurs. Les choses qu'ils ont fait ici, ils s'y connaissent. Mayébi Biloko Wautuko Sala en Saint-Anne. Mazani Kolo. Bazo Sala désordre. Mayébi Keloko Baosala, Ezakaba est cité des ordres. Mais ça sera honteux que le parti présidentiel et Sala Ramakambabou et Topesi, de l'Ebisi Oza CCTV. Et à mon Kilibo Bimba et Yokaka, professeur Matati Kabouzoba, Atika Biloko Azou Salawana. Pourquoi? Parce que Azako tenir image à partie. Que des autres viennent à partie, alors que des autres viennent à partie. Le professeur Mbata, c'est le voie par lequel Akoki Kolekana, Pona, Kosololano, Gisè Kabouya, Topona Koya, Kolomolo, Gisè Kabouya. Aïe, bien, on n'oublie pas par la CDP. CDP, ils allaient dans ma attribution, non. Et puis, attribution, c'est. Écoutez, quelqu'un qui est investi par un organe suprême, vous venez, vous le destituez par un organe inférieur. Un sous-organe. Un organe intérieur. Mais est-ce que ça se comprend? Est-ce que et ça la mawapi? Aujourd'hui même, dès le côté notion, il y a théorie, il y a pyramide renversée. Et le mot va dire, base qu'on s'exprime, et plutôt qu'on est dans le congrès, le congrès a une décision, nous avons une base de ça, et nous avons une base. Et ça, c'est que l'IDPS n'est pas un parti de tout ça. L'IDPS au pouvoir, regarde l'IDPS de l'opposition. Non. Vous êtes bien là-bas. Non. L'IDPS au pouvoir reste l'IDPS au pouvoir. L'IDPS en opposition. Des ordres qui sont en opposition, des ordres qui sont en pouvoir. Non, c'est une lecture, et ça, lecture. Et voilà. Il y a et ça, lecture, et puis lecture à Bato Balingi, l'IDPS, c'est pas de mon il ne faut pas donner de matière à ces aigris. Non, mais non, nous on ne donne pas ça. Nous on ne donne pas la matière. Un groupe d'individus qui veulent suyer l'IDPS, Batouana, Baza déjà démantelé. Est-ce que vous avez tenu le mot dans le barassou? Et tenu le mot dans le barassou? Atika, pourquoi? Parce que Ayébike, Azui Babilo connaît Ayetale Yango. Ayébike, un jour, congrès que vous allez convoquer, tu peux traiter Yango. Et puis, il y a également Masolo et Akati, pour la carte à partir de Zalaka. On va pouvoir résoudre Babangabango, mais pas aller organiser les histoires à Saint-Anne de l'Ingité. On est mort. On va à Saint-Anne, nous sommes à Saint-Anne. Mais vous pouvez dire un mot, mais vous pouvez retenir une question. Un mot, et là, on le bas, avec le parti IDPS, Tshisekedi et Zali, organisé et structuré. Comme preuve, tout ça, la statue n'a pas oui. Et Zali Awa, vous allez Awa, un carnet, enregistré, Moutounoso ou Azali. Membre il y a eu de pas enregistré yo la cellule de base registre la registre na biso il y a un parti enregistré le membre du parti donc ce que tu n'es pas que non basali va des choix va des choix secrétaire général va nommer en fonction sur base après sur article pas parce que biso disposition mon statutaire il y a ça qui a eu dans la société mais on a une pression à voir que non. Dans les trois organes, les organes centraux, Tozalina, au concret, la présidence, la CDP. La présidence, organe présidence D, et si le secrétaire général a du mal. C'est une disposition statutaire. Mais Mango va nous payer sur base de vote. Donc, moi de la fin, Tozalina, Bezali, vie et non soit les hauts cadres, les intellectuels du parti, Bazong la place na bango na parti. Toyebi, Makambo Bazo réclamé. Et qu'on a pris en compte. Et qu'on a là ya bien, mais procédure au bango Bazo Zulango, Ezali en côté. Parce que nous trouvons que Kabouya n'a pas engagé les combattants. Bazolo, mais les bango va pester qui bango possibilité. Ils ont engagé les combattants. Donc, bango nyoso, batika Makambo, baya.
tout fan de Sega Mobu, tout traité problème et puis qui m'a ézala. Tout ça, la secrétaire générale, c'est pour moi. On dit fait Kabouya. Voilà, l'UDPS se porte bien. Il y a la stabilité au sein de cette formation politique, un parti présidentiel, sauf que, comme dans toute maison, il y a toujours des querelles, mais il y a l'unité au sein de l'UDPS, donc l'appel aussi à l'unité des uns et des autres pour que le cadre militant et sympathisant de cette formation politique puisse parler un même langage. Vous avez bénéficié donc de réflexions aguerries ou des arguments pour beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à la situation qui prévaut au sein de l'UDPS. Tshisekedi, j'ai eu l'immense honneur de recevoir pour vous ce soir Monsieur Polydor Wasamba, qui est président cellulaire Kana, Mombele Lumete, mais également Maître Aaron Michel Oki Tonadi, lui il est cadre de cette formation politique. Je vous dis merci d'être disposé. Merci. Vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, à nous suivre. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Ndjambe. Christian Mandjo était du côté de la régie, héritier Toubilandou, Marité Godot, à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que le prochain numéro sera avec la titrée de cette émission des Lettres de l'actualité, Gisèle Olive Etoko. D'ici là, portez-vous bien. Bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.